Voilà ici test du zone finesse. Voilà ici la zone est quand même fort encombrée, petite perche, brochet, pas mal de black bass aussi. Donc voilà, monter son hameçon texan. Moi j'ai choisi une couleur naturelle. Il se lance super bien. Puis je le ramène en petit sac à dos en passant juste sur les. Soit sous la végétation, des petites haltes, il descend tout doucement. Il a vraiment un super leurre, passe-partout. Voilà, je le fais sautiller. La végétation, on dirait vraiment un insecte. Voilà, vraiment super. Juste ici, un très bel endroit pour pêcher. Le cadre est magnifique. Un petit chasse à droite. Alors c'est faut évidemment pêcher assez fin. Petit saccade. Laisser sortir naturellement leurre. Petite twitch. Ouais, c'est fait. Voilà, touche en direct. Voilà, touche en direct. Petit black bass. Voilà. Touche en direct. Petit black bass. Voilà, aux zones de finesse. Voilà. Voilà. Zone de finesse. Petit poisson. Tu vas remettre directement à l'eau. Yo, reparti, super. Donc ici, petit test du zone finesse en couleur naturelle. Poisson, toujours zone finesse. Hop, c'est dans les plantes. Voilà. Ouh là là. Ça aussi, c'est le problème. Louper beaucoup de. Surtout avec Neofrog, beaucoup de poissons. Voilà, pris dans la végétation. Voilà, encore un beau poisson. Enfin, poisson. Tas de végétation. Quand c'est un petit, ça va. Quand c'est un gros, voilà, hop, prise de la végétation. Voilà. Yops. Ici, toujours aux zones finesse. Encore joli petit black bass. Voilà, on va faire partir directement. Yo, reparti, super. Un gros poisson. Là, toujours dans les herbiers. Toujours aux zones finesse, voilà. Encore un petit black bass, hop, de nouveau. Ouah, dans les plantes, pas toujours évident de les tromper. Voilà. Hop. Encore un joli petit black bass. Voilà, toujours aux zones finesse. Hop, on va remettre dans l'eau. Yo, il est reparti. Super. Un gros poisson. Waouh, pratiquement de l'autre côté. De nouveau, hop. On passe à travers les herbiers. Petit poisson de nouveau, je pense. Mal à dire, mais. Ben, j'espère que c'est un poisson. On va voir. Ouais, voilà, petit poisson. Voilà, prendre ces herbiers ici. Voilà, joli petit poisson. Je sais, on va remettre directement à l'eau. Voilà, accrocher une petite black bass. Toujours aux zones de finesse. Voilà. Yo, reparti tout de suite. Voilà ici, couleur Morito. Voilà, c'est pas évident, hein. Il y a tellement de végétation ici. On a souvent tendance hop, à les ramener, mais des gros, ben, j'ai perdu beaucoup de gros poissons. Neofrog. Parce qu'ils se coinçaient dans les herbiers et je n'arrivais pas à les dropper suffisamment avec ma canne d'une manière assez puissante. Voilà, super leurre.